fédérine cette ancienne chaîne YouTube Wallop Media. Tay ñu ngi nekk fi nga xamanteni modi Institut supérieur de l'enseignement professionnel du Richard Toll. Ñom ñoy def tay li nga xamanteni modi journée porte ouverte 48 heures ñu dem xoli jaadi ñëwaat ci kanam tout. Voilà le contenu un peu de la visite. Donc sans plus tarder, on va laisser les apprenants vous présenter leur filière. Donc vous avez dans chaque stand également le responsable de la filière et quelques enseignants de la filière. Voilà, donc je leur laisse la parole. Donc Madame Paludo est avec moi, c'est la présidente du collectif des apprenants. Donc elle va peut-être dire un petit mot de bienvenue et on va démarrer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour pour les autorités qui sont ici présents. Je m'appelle Fatou Diop, je suis apprenante en deuxième année en transformation et conservation des produits agricoles et agroalimentaires. Donc, juste pour vous dire, vous avez la bienvenue de tous les apprenants ici présents et du personnel. Bonjour, je m'appelle Oumi Pousso, je suis apprenante à l'IGP de Château, en première année en filière PVL, production, viande et lait. On est ici aujourd'hui pour vous présenter notre atelier. Notre atelier porte sur la production laitière. Dans cet atelier, on a deux sujets. Une vache laitière qui se nomme Maman Africa, c'est un métis Mambéria. Et un autre, c'est un Zidou, on l'a surnommé Yaya Daro. Maman Africa, autrement dit, la métisse Mambéria, elle a 3 ans. Elle a 3 ans, mais aussi, son état physiologique est vide. Elle est en lactation, elle a mis bas à un veau de 3 mois. C'est un métisse normal. Et pour le jumeau, elle a 5 ans. Son état physiologique est vide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en gestation. Pour la production laitière, la métisse Mambéria est produite 7 litres par jour, mais ce lait est envoyé aux intestinaires pour être transformé. L'objectif de cet atelier, ça sert de champ de pratique pour les apprenants. Autrement dit, ça nous permet de tester nos compétences requises en classe, autrement dit l'alimentation, s'approvisionner en animaux, la gestion des femmes, mais aussi la reproduction.
élevage au Sénégal, les gens qui ont été très bien. Mais c'est important. Parce que aujourd'hui, il y a un élevage qui a été très bien. Il y a un élevage qui a été transformation. Je suis un élevage qui a été très bien. Il y a une transformation, une agriculture. Les pédales, tu as dit, si tu as dit, en tant que technicien professionnel supérieur, si tu as dit, amun suñu côté ay transformation pour tayi buñu bu nagé ba am ba am méw dañu méw bobu non jëm ko si on a tout type d'accessoires avec comme si on a des coutes pour faire la déliation parce que on sait que on va faire tout le temps développer, on ne pourra pas avoir
bon rendement. Mais aussi, je vais vous présenter les différents types de fleurs que nous avons là, comme par exemple les fleurs ornementales, les plantes fruitières, mais aussi les plantes médicinales. Par exemple, là, nous avons pomme de lys, là, nous avons épine de gris qui est une très bonne plante ornementale. C'est déjà à le voir au niveau de la terrasse. Mais aussi, nous avons une autre plante ornementale qui est l'éternel. Bonjour Madame la directrice de l'ISEP de Richard Toll. Bonjour chers invités. Bonjour les membres du personnel administratif de l'ISEP de Richard Toll. Bonjour Mouche Mbaye. Je me nomme Djalissira Kouate. Je suis technicienne supérieure en agro-équipement en deuxième année. Merci beaucoup. Si on dit maintenance des agro-équipements, on dit l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir les agro-équipements. Dans des états spécifiés, merci. Dans ce monde d'aujourd'hui, on voit que l'agriculture est mécanisée. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour montrer les agriculteurs, par exemple, en traversant Rose-Bécho pour aller à Dakar, je vois là-bas les machines agricoles immobiles qui sont là-bas. Et donc, pour lutter pour tous ces fléaux, on a créé ce métier pour la réparation et la maintenance. Merci beaucoup. On a des débouchés après la formation et les compétences spécifiées. Joan Borba, bon, comme a si le dit le docteur Day, ainsi que Ravement Fondra de Place. Donc, nous sommes là pour présenter ces aliments que nous avons confectionnés nous-mêmes. Voilà. Comme l'a si bien dit Dr. D, ce sont des aliments que l'on ne trouve pas sur le marché. Donc, du coup, on a confectionné nous-mêmes. Là, nous avons le maïs. Là, nous avons le granulé. Le maïs, on l'a confectionné avec 100% de maïs. Voilà. On l'utilise pour donner ça aux animaux. Nous savons tous que le maïs est riche en énergie. Ici, nous avons le probiotique. Le probiotique, nous l'avons fabriqué avec le mélasse. Plus l'acte sérum. Le mélasse, nous savons tous, ça nous vient d'être de la CSS. Là aussi, nous avons aussi un aliment que nous avons composé avec le maïs. On a aussi le couteau de son de riz. On a aussi le couteau d'arachide. Il y a aussi le CMB. Et nous avons aussi ajouté du son de blé. Mais aussi, voilà, ici, nous avons le couteau d'arachide. Ce composant, nous l'avons fabriqué avec 100% du couteau d'arachide. Voilà. Ici, nous avons un composant que nous avons composé avec deux...